quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più vrai quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Aujourd'hui, le cadre est différent, plutôt sympa et à propos, je vais tester un four à pizza à bois. Ce four à pizza m'a été envoyé et aujourd'hui, je vais le tester. En plus, il y a des amis, donc je préfère quelques pizzas assez différentes. La spécificité du bois, voir si c'est plus contraignant ou pas qu'un four à gaz. Est-ce qu'il y a un goût différent? Je ne pourrais pas comparer directement, mais en tout cas, on pourra voir ce four en question de Flame Oven, si il tient la route et si on arrive à obtenir la belle pizza un petit peu cramée, si ce n'est pas trop compliqué à mettre en place. Donc, je vais déballer le four, voir un peu à quoi ça ressemble et vers en milieu de journée, on pourra faire chauffer tout ça pour lancer les pizzas. Après la pâte et la cuisson, c'est la sauce tomate. Donc le secret qui n'en est pas vraiment ça, c'est juste de laisser réduire pas mal la sauce pour qu'elle soit un peu plus épaisse et qu'elle ne détrempe pas trop la pâte. Donc là, c'est des épices classiques, un petit peu de paprika, un peu d'épices pimentées pour avoir un peu de feu, de l'origan. Ça, on laisse mijoter quelques heures à feu très doux. Et voici le carton qui est quand même plutôt compact. Je crois qu'il est pas bien orienté ici. Si, c'est bon. Extension gratuite de garantie, 3 ans, très bien. Ça, je garde. Le manuel d'instruction, est-ce que je vais le lire? Peut-être. Au moins au début, il y a un peu de construction à faire. Donc voilà la pelle qui va permettre de mettre la pizza. Donc là, je sais pas combien elle fait, mais elle doit faire quelque chose comme maximum 40. C'est plus grand qu'une feuille A4, mais peut-être 35, je pense, de côté. Ça, j'imagine, c'est l'endroit où on met le bois. Utiliser qu'à l'extérieur, oui. Attention, c'est chaud, ça devrait aller. Donc là, on est globalement sur un four assez compact. Ah oui, il y a ça. Je pense que ça doit être la poignée qui doit se mettre là. Il faudra que je lise le manuel quand même. Ah oui, la cheminée. Et la protection qui va sur le four. Donc là, en gros, il y a tout pour commencer dans le pack. Et il y a aussi la protection de la cheminée. Comme ça, il n'y a pas à enlever la cheminée à chaque fois. Ok. Ça se met dans quel sens? Les grilles vers l'arrière, ce qui paraît logique pour l'aération. Insérer la pierre à pizza. Voilà, elle, je la colle bien devant. Insérer la cheminée. Là, donc, il y a un système de languettes comme des ressorts. Et donc, voilà. En gros, il y a une porte qui permet de garder au chaud. Et il faut visser dedans. Hop. Voilà. Voilà. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr, on fait du feu là-dedans. On ferme, ça chauffe un peu tout. On touche pas forcément directement avec les mains ici. On enlève ça, on met la pizza. Éventuellement, on referme pour que ça reste au chaud. Et puis voilà. Donc là c'est parti, autour de moi ça s'active pour tout découper. Je vais commencer à faire le feu. Je pense que ça sera journal, pommes de pin et petit bois. Et donc là, ils m'ont aussi livré du petit bois. Bon j'en ai, mais au moins là c'est pile poil la bonne taille, donc j'ai pas trop à m'embêter. C'est ma Flame Oven qui me l'a envoyé. C'est magnifique ça, pas veux dire. C'est pas mal en plus, bah, je pourrais le laisser pour les locataires. Ouais, mais même chez toi, dans ton appart. Oui, c'est sur un balcon, je suis pas fou ouais. Pour le feu. Ça marche vraiment bien. Il est en train de Je sais pas, c'est la première fois que je vais le tester. Ça prend bien, je crois.
Bon, je vais laisser flammer un petit peu. Bah, ils disent 20 minutes. Donc justement, on va voir. En plus, ce qui est bien, c'est que même en été ici, où tu n'as pas le droit de faire des barbecues parce que tu pourrais mettre les braises, là, je pense que vu que c'est confiné et qu'en plus, il y a le chapeau, ça peut, si ça peut le faire. On en prend feu à côté. Bah, moins, quoi. Là, qu'un barbecue. Il y a un trou blanc aux toilettes. Donc là, je fais la première, ce sera sûrement un crash test. Histoire de voir, j'ai pris la petite pâte. Je vais faire un truc simple. Un petit peu de parmesan. Hop. J'ai peut-être pas mis assez de farine. Hop. Normalement, comme ça, il faut la retourner de temps en temps. Comme ça, parce que vu qu'il y a la flamme qui est derrière, faut la retourner. En gros, il m'avait dit de la retourner genre de un tiers. Un quart, un tiers, et après plusieurs fois. Hop. En termes de cuisson, ça a l'air bien, ça. Ouais, bah comme quasiment n'importe quel four à pizza, faut les tourner, sinon ça cuit quasiment que au fond. Et là, je ferme de temps en temps. Ah, voilà, tu vois, j'ai un peu. Elle est cramée. Moi aussi. Un petit peu. Oh là là! Oh mon dieu! Bon, moi du rêve! Ah. Ouh. Donc aujourd'hui, j'ai pu tester ce four à pizza. Franchement, il y a le côté barbecue qui joue aussi là-dedans. Faire son feu au bout, contre le truc, il prend pas trop de place. Ça cuit bien. Il y a une courbe d'apprentissage qui est assez, je pense, pentue au départ. Gérer le feu, gérer la pizza, savoir quand fermer ou pas. Je ne sais pas encore trop exactement, mais je dirais fermer un petit peu pendant que ça cuit pour que tout cuise de manière un peu plus homogène que juste au fond là où il y a les flammes. Mais ce qu'il y a, c'est que les flammes, elles remontent au-dessus qui permettent de cuire bien la pizza. Donc, globalement, c'est sympa. Pareil, avec la pelle, juste pour bien mettre, parce que c'est une forme différente de celle que j'avais pu utiliser. Il y a un petit peu d'apprentissage, je pense que, allez, la première session, les deux premières pizzas, faut se dire qu'on fera mieux après. Je pense que ça va être bien. Quoique là, dès la deuxième, ça allait quand même très bien. Par rapport à la taille, celui-là quand même, il est globalement compact. La plaque de chauffe, elle paraît petite, mais globalement, je fais souvent des pizzas genre pour une personne qui remplisse une assiette. Donc là, c'est nickel. Juste ce qu'il faut. Ça se transporte assez facilement. Bon là, il est encore chaud, donc on va attendre. J'ai pas beaucoup de retours dans la durée. Enfin, c'est la première fois que je l'utilise. Mais par rapport à l'autre que j'avais pu utiliser, qui est à gaz, pareil, je pourrais pas dire, est-ce qu'il y a vraiment le goût fumé en plus. Quelqu'un qui avait testé les deux m'avait dit qu'il y avait le goût fumé en plus, mais bon, il faudrait que je les teste l'un à côté de l'autre pour vraiment voir la différence. Ce qui est bien ici, c'est que si je veux le faire, bah, je prends du bois dans la forêt, je le mets, et j'ai pas besoin de dire, tiens, il faut absolument que j'ai du gaz et tout. Donc là, pour le coup, c'est quand même assez pratique de pouvoir le faire au feu de bois. Bien sûr, ça n'irait pas dans un appartement. Donc, par rapport à ces fours Flame Oven, vous avez pas mal d'infos en supplémentaire en description. Il y a aussi un petit code promo, fallait aller jusque là. Si vous tapez le code promo qui est juste en bas, et ben vous aurez 20% sur votre achat, ce qui est quand même pas mal. Quand on le prend, il y a tout pour commencer. Le four, la pelle et la housse. Le thermomètre, ça peut être bien pour savoir à quelle température la plaque, mais ça se fait plus ou moins à l'œil, à la main, vite fait. Donc, voilà. Donc là, on était 7 à manger les pizzas, tout le monde était très très content. Oui, forcément, une fois que la pâte est bonne, la sauce est bonne et que le four tient la route, on peut débiter pas mal. Et je pense que, allez, en 1h, 1h10, j'ai fait 12 pizzas. Même pas, en 1h, j'ai fait 12 pizzas. Donc, franchement, efficace. Voilà. Sur ce, moi, je profite vite fait de la fin de mon week-end. Je vous souhaite une très bonne journée. Les pizzas, c'est très bon. Maintenant, en plus, vous avez deux points de comparaison pour des fours à pizza. Si notre marque me contacte pour un troisième type de four, je ne sais pas si je le prendrai, mais en tout cas là, très bien ce petit four compact au bois, plein de qualité. Voilà. Donc sur ce, merci beaucoup et à très bientôt.
quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante.